Vous regardez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. Mes chers compatriotes, je suis là. Je suis avec vous. Je vous comprends. Je ne vous abandonnerai pas. La France est un grand pays. La France va mieux. N'écoutez pas les Cassandres qui vous disent que le chômage augmente. Ils vous mentent. Ouh, les vilains. Notre pays en a vu d'autres. Alors, mes chers compatriotes, au moment où nous traversons une petite crise passagère, j'ai besoin de vous. Le peuple de gauche, j'ai besoin de vous. Je demande aux artistes, aux cinéastes, aux intermittents, aux intellectuels, aux infirmières et aux éboueurs de se mobiliser. Et les yeux dans les yeux, je vous le promets. Le chômage, la vieillesse et la maladie seront vaincus. Je m'y engage. Vive la République et vive la France. Face au chômage qui explose, les syndicats ont aussi leur mot à dire. Écoutons comment l'inoubliable Henri Krasucki, charismatique leader de la CGT, aurait su trouver les mots pour en parler. Mais le problème... Qu'est-ce que c'est le problème du chômage? Le problème, c'est qu'on n'a plus d'emploi. Il y en a plus des emplois chez Arcelor, chez Petroplus, chez Peugeot-Honnay. Alors que nous, à la CGT, on dit qu'il suffirait qu'on ait du travail pour qu'on crée des emplois. Alors quand j'entends dire que le déficit de la France est trop grand pour donner ses sous à nous autres, les ouvriers, ben qu'est-ce que je dis? Hein? Mais qu'est-ce que je dis? Je dis qu'au lieu de spoiler les ouvriers, il faut prendre des sous où qu'il y en a. Parce que si on leur prendrait 100 000 millions anciens, 100 000 milliards... Attendez, j'ai fait une erreur dans les chiffres. Bien, si on faisait payer les patrons, il y a longtemps qu'on aurait mis le SMIC à 10 100 000. Attendez, Parmi les communicants incontournables, Yves Montand, pour nous parler de la crise. La crise? Mais quelle crise? Moi, le papa, j'ai toujours vive la crise. C'est ça qu'il devrait dire, le président. Vive la crise. Il doit faire plein d'émissions sur la crise. Et faire comme moi, se faire payer 800 000 francs par émission, pour montrer que quand on veut bien, la crise, c'est pas la fatalité. C'est ce que j'ai toujours à Simone Signoret. Moi, pendant la crise, je prospère. Comme elle, la Simone. Elle est socialiste, la Simone. Vous avez vu comme elle est prospérée, Simone? Faut dire qu'elle biberonne. Elle me sert la bibine. Moi, je dis que la crise... Moi, je dis que la crise appartient à ceux qui s'adaptent. Il faut que le président s'adapte. Moi, je m'adapte. J'ai vu bien que sous Tito, j'étais didiste. Sous Tonton, j'étais dentiste. Sous Valéja, j'étais solidarnosque. Et si bon, quand on n'a pas un rond, d'emprunter de partout, se rembourser du tout. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais parfois, ce sont les artistes qui savent le mieux mettre des mots sur les grands drames. Nul doute que la crise aurait inspiré Léo Ferré. La crise. Hein, en ces temps, on voit pas l'herche. Pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con. Bien secte. Ils ont voté, puis après... La crise, mon cul. La crise, c'est eux qui la font. Et nous, on va se casser la gueule. La gueule. La gueule. La gueule des ministres. Vincent, ça va tout péter. On va tous crever. La mort. La mort. Et puis la mer. Les temps sont difficiles. On va tous crever. Bonjour Robert Hue. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas vu dans cette matinale. Vous savez, je suis sénateur du Val-d'Oise. Oui.
Les six adhérents de mon mouvement, le MDP, mouvement des progressistes, me donnent beaucoup de travail. Pas le temps d'aller dans mon camping Lou Caravanou. Ah bah c'est sûr. Et ces six adhérents, ce qui avec vous fait sept, vous pouvez nous dire leur nom? Ah bah oui, Hatchoum, Dormeur. Joyeux, grincheux, timide et simplet. Je vois très bien. Et qu'est-ce que vous allez regarder à la télé ce week-end, Robert? Un truc super, samedi sur Télétoon à 21h05, je vais regarder Spooksville, l'invasion des nains de jardin. Bonjour Dick Rivers. Bonjour Mijay, yeah. Yeah, vous aussi. Vous allez regarder la télé ce week-end, Dick Rivers? Je n'ai pas loupé un film de John Newson qui raconte l'histoire d'un baleinier qui veut se venger d'un cachalot qui lui a fait perdre sa jambe. Attendez voir que je regarde le programme. Mais il s'agit de Moby, Dick. Attention, Mijay, l'autre jour déjà, vos moqueries m'ont fait mal. Oh, ces plaisanteries, je m'en excuse et je les retire puisqu'elles vous déprimèrent, Dick. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, je te dis. Roule, roule, roule pas sur le reverse. Bonjour Valérie Giscard d'Estaing. Bonjour Mademoiselle Jade. Ce week-end, vous allez regarder la télévision? Oui. Je ne peux pas me rendre en Zambie où la chasse au lion et au léopard vient d'être ouverte. C'est une très bonne nouvelle. Oh là 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 là. Je vais me consoler en regardant la chaîne Chasse et Pêche. Ah. C'est une excellente chaîne. Mais beaucoup Chasse et Pêche. Beaucoup Chasse et Pêche. Je le regarde régulièrement, Chasse et Pêche. D'accord. Et plus précisément sur Chasse et Pêche, quel programme? C'est pas facile à dire, Chasse et Pêche. Ah non, Chasse et Pêche. Chasse et Pêche. Quel programme allez-vous suivre, monsieur le président? Je ne vais pas manquer Chasseur de l'extrême. Un très beau titre. Il me rappelle que moi aussi, je suis un chasseur d'extrême. Oh, c'était le bon temps, hein. Quand dans la savane centrafricaine, avec mes boys qui tapaient bruyamment sur leur tam-tam pour effrayer les éléphants, je traquais ces pachydermes, même moi, qu'on a mis, leur prend Jean-Benel Bokassa. Oui, bon, alors, revenons à ce programme. Je prends mon télé de semaine. Alors, voilà. Non. Comme ça, je suis prévoyant. C'est vrai, deux semaines de télévision. C'est ça. Deux semaines, d'où le titre. Bien compris. Donc, dans le sud-ouest du Montana, René, un excellent tireur, tente de chasser le tétras sombre, un oiseau aussi étrange que dangereux. Excusez-moi, Valérie Giscard d'Estaing, mais le tétras sombre, qui est une sorte de faisan, n'est pas du tout dangereux. En plus, c'est une espèce menacée de disparition. Disparition menteuse. Ah bah si. Vous voyez pas, vous allez m'empêcher de regarder Chasse et Pêche. Chasse et Pêche. À l'île Maurice, une population de cerfs de Java fait le bonheur des amateurs de chasse, qui respectent la nature et l'environnement. Bon, ça, j'ai respecté la nature. Quand j'ai descendu, Maurice, le dernier dodo. J'ai dit, Maurice. C'est vrai que c'est vous. Oh, mais oui. Quand je revois ce bon gros volatile qui me regarde avec ses beaux yeux dorés, quand ça me fait quelque chose. Merci, monsieur le président. Alors, regarde, Maurice.